Petit Pipeau aimerait drôlement que sa carmagnole des burnettes le rende célèbre, aussi célèbre que Monsieur Jean-Sébastien Bach. Dont il n'a, semble-t-il, pas tout à fait le talent. C'est pas très important d'avoir du talent, le principal, c'est d'être populaire, d'avoir des tas de gens qui vous aiment, qui vous admirent au tombé. C'est ça que je veux être une source d'inspiration pour des tas de gens, que mes mélodies, elles soient sur toutes les lèvres. Barbecue à la con! Ah oui, mais y a le copilote, non? Hein? Voilà la clé! Tu veux mettre ta musique sous licence libre et tout le monde va se l'arracher à moi la gloire! Ouais, c'est pas con! Oui, évidemment, oui! Ah, bon sang, qu'est-ce que t'en penses? C'est plutôt pas mal comme idée! Qu'est-ce que t'en penses? Sincèrement, dis-moi la vérité! Franchement, c'est ta seule chance! Yahoo! Maintenant, à moi la gloire! Tout le monde danse sur mon petit flûteau! Évidemment, toute la gloire en revint au compositeur de la cantate monotone pour deux marteaux-pilons et un neurone, et notre pauvre petit Pipeau fut rudement déçu. Il n'y a vraiment pas de justice. Mais la fièvre de la création brûle déjà trop fort les tempes de notre petit Pipeau. Et si je faisais du cinéma, se dit-il. Pas besoin de caméra, pas besoin de composer, ni même d'écrire un texte. On peut tout trouver sous copyleft. Des musiques envoûtantes. Des films libres comme le vent, d'une audace et d'une tenue artistique à vous couper le souffle et d'une technicité n'ayant rien à envier à celle des plus grands. Imaginez tout le profit que notre petit Pipeau pourrait tirer avec un tout petit peu de science du montage, de cette corne d'abondance de la créativité. Allez, je me lance. J'ai trouvé un poème magnifique sur Internet. Ça s'appelle « Corbillard électrique » de M.M. Coup de canon phénoménal. Coup de gong imperturbable et sirène. S'agite, résonne, c'est la bousculade. Des ombres courent de droite et de gauche. Ça tire, ça gronde de face et de dos. Les corbillards finis métalliques défilent. Au son de la poudre, un monument s'effondre, rugissement, hurlement, au cri de la poussière, le vent est assassiné. Un enfant au coin d'une rue, ses yeux dans les mains, délaissant sur sa mère une pluie fine et pure, en avalant un éclat, se lance dans la basse, les genoux tachés de sang, le regard rouge et brûlant, il lève la tête. Un fusil à la main, ses yeux fixés, figés, sans larmes, seront fatalement les premiers. C'est beau. Alors, je vous cite. Donnez toutes les banques de sang du monde et la meilleure instrumentation logicielle à l'un d'entre eux, il inventera pas les violostries, mais la danse des canards à 120 BPM. Bah alors, pourquoi le copyleft? Idéologiquement, le copyleft partage avec beaucoup de
de perspective sociologique, la certitude que la société est plus intelligente, plus brillante, plus inventive que les sujets qui la composent. Stratégiquement, c'est une philosophie du lieu commun. Déjà, sans concertation, il est à peu près certain qu'un groupe de beaux solistes obtiendra plus facilement un bordel sans nom qu'une symphonie, mais a priori, un groupe de conos, c'est encore plus con qu'un cono tout seul. Pourquoi je choisis quand même le copyleft? Dans un libéralisme général où personne ne peut se protéger de toute façon du pillage des médiocres, alors autant pas leur laisser l'exclusivité de skipping.